le faire et l'Union européenne nous a interdit de le faire. Madame Arthaud, petite remarque. Je vous écoute. Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est le chauffeur polonais qui fixe le salaire des caissières de Carrefour. Non, c'est son patron. Oui, c'est ça, c'est son patron. Ouais. Hein, c'est pas le Saint-Esprit qui. Et ce sont les commissaires européens. Salaires. C'est effectivement des dirigeants, des grandes entreprises qui en veulent toujours plus. Mais eux adorent l'Union européenne. Mais ça vous. Eux adorent l'Union européenne. Jamais vous ne le dites, jamais. Oh, mais hein, je le dis sans arrêt. Jamais un mot contre, effectivement, tous ceux qui exploitent les travailleurs et qui écrasent les salaires. Je ne fais que parler d'eux, mais moi je vais au-delà de ça, Madame Arthaud. Vous avez raison, mais je vais au-delà de ça. En cachant leur responsabilité. S'ils en cachant leur responsabilité, ne vous inquiétez pas. S'ils peuvent faire ça, c'est qu'il y a des textes qui leur permettent de le faire. Chez Carrefour, chez Auchan, APS. Ça, et ben ça va continuer avec vous. Ben non, parce que moi, je les empêcherai de pouvoir faire ça parce qu'ils auront des obligations nationales d'augmenter les salaires. Allez.